Et puis bon matin, chers auditrices et auditeurs. Ce lundi, on va dire matin, c'est ça, parce que l'émission en fait elle est enregistrée. Donc bon matin, lundi matin, elle va passer le lundi. Et bienvenue à votre émission dans culture et culture seulement. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir donc Monsieur Moulay Hicham Mouattadid, qui est un écrivain prolifique qui a écrit beaucoup de livres. Bon matin, c'est Hicham. Ah ben, merci beaucoup, je vous remercie pour l'invitation. Et puis aussi, on a avec nous donc Elisabeth Hanan Photo, qui est une photographe professionnelle. Bon matin, Elisabeth. Bonjour. Ça va bien? Très bien, merci. Vous n'avez pas trouvé de difficulté à localiser les studios de la radio? Non, pas du tout, pas du tout. Okay. Parfait. Et puis, matin. Good. Puis on continue à écouter cette belle chanson, belle tune de Warda Jazairia. توحشني عيني وبلا الدنيا بقت فاضية مع ان الناس رايحة وجاية وانا بحلم بيك بتمر ساعة بعد رؤانة والروح لوجودك عطشانة توحشني عيني وبلا الدنيا بقت فاضية مع ان الناس رايحة وجاية وانا بحلم بيك بتونس بيك واما بتبعد انا بتونس بيك اما تقرب انا بتونس بيك واما بتبعد انا بتونس بيك وخيالك بيكون وياي وياي Et puis juste donc de mentionner, chers auditrices et auditeurs, que durant cette émission, donc je vais échanger avec mes deux invités. Je vais commencer par les dames d'abord, comme on dit, Elisabeth Hanan Photo. Donc vous allez la découvrir plus, donc ce qu'elle fait au niveau de son métier, son art, sa passion aussi, la photo. Et avec Moulay Hicham Mouattadid aussi, qui est très prolifique, il a écrit à date
4 livres et je pense peut-être qu'il y a des choses en projet. Je vous laisse toujours continuer à écouter cette émission, cette chanson tune, et on revient à l'échange. Et puis donc de retour, chers auditrices, auditeurs, à votre émission donc Culture et Culture Seulement sur Radio Centre-Ville à Montréal, 102,3 FM. Et puis aujourd'hui, en fait, on a changé de studio, j'ai changé de studio, on est au Studio B, ce qu'on appelle ici Studio B. Et puis éventuellement, ma première question à mon invité, donc Elisabeth Hanan Photo, si tu peux nous parler justement de la photo, qu'est-ce qu'elle représente pour toi? Je pense que c'est devenu un métier éventuellement pour toi. Oui, c'est ça. Bon, en fait, moi, ça fait 2 ans que je peux m'identifier comme photographe. Avant, dans une première vie, j'étais plus en travail social, travail communautaire, professionnellement. Et puis, j'ai toujours vraiment adoré la photo depuis un très, très jeune âge. Avec mes parents, mon père, il adorait la photo, donc c'est vraiment comme ça que j'ai connu la photographie lorsque j'étais jeune. On fréquentait toujours les musées, les expositions à Montréal et autres lorsqu'on voyageait. Donc j'ai toujours été exposée à l'art, mais j'ai jamais vraiment eu l'idée de travailler dans le domaine. Donc, j'ai fait mes études en sciences humaines et c'est juste dernièrement, après que j'ai eu mon fils, que j'ai vraiment découvert plus la photographie. Voilà, donc ça fait 2 ans que je fais ça. Oui. Parfait. Puis ça me rappelle, j'ai vu un documentaire une fois, c'était un Américain, le gars, c'était un jeune, dans les 40 ans d'âge. C'est jeune. Oui. C'est jeune, effectivement. Et lui, ce qu'il a dit, je travaillais, je bossais, je me réveillais chaque matin à 7h du matin, je rentrais vers 7h, 8h du soir. Puis, il faisait de la photo, il aimait beaucoup la photo, mais son travail, c'est en dehors de la photo. Il faisait un autre travail, on va dire. Et puis, il a dit une fois, je me dis, OK, il avait un minimum d'argent de côté. Il dit, je vais m'embarquer dans ma passion qui est la photo et la vidéo.
Je vais, comment dirais-je, je vais continuer à pratiquer ça jusqu'à ce que, on va dire, les revenus soient des revenus intéressants. Donc, il a laissé tout tomber derrière lui et il s'est embarqué dans la photo et la vidéo. Ça se ressemble peut-être un petit peu à ton cas, Elisabeth? Oui et non? Oui et non. Moi, en fait, quand j'ai acheté mon premier appareil photo il y a 2 ans, j'avais aucune attente. Je l'ai pas fait pour travailler avec. Je cherchais pas à faire de l'argent, en fait. Je voulais juste suivre le courant et voir où est-ce que ça m'emmènerait. Et puis, en fait, je suis vraiment très surprise d'où ça m'a amenée. C'est ça. Comme après plusieurs mois, j'ai décidé de créer une petite compagnie. Et puis, j'ai eu des offres d'emploi dans le domaine. Et puis, etc. Donc, je suis encore très ouverte à ce qui va se passer. J'ai pas d'objectif en particulier, mais j'ai plein d'idées dans ma tête. En ce moment. Mais justement, une des questions aussi, j'allais dire, qui me passe par l'esprit, je l'ai écrit, en fait, je l'ai écrite, la question ne me passe pas par l'esprit, c'est que, est-ce que tu peux nous parler d'une journée de prise de photo? On va dire que, on fait appel à tes services, mm-hmm. dans un tel endroit ou tel événement. Si tu peux nous parler d'une journée de prise de photo, tu te réveilles. Comme puis, de comment ça se passe. De comment ça commence et comment ça se termine. OK, ben, d'habitude, ça commence bien avant l'événement. Moi, je préfère, en fait, faire des shootings d'événements. C'est ce que j'aime le plus. Donc, j'ai fait j'ai fait un mariage. Il y en a un qui s'en vient. J'ai fait des baptêmes, des photoshoots pour les enfants, etc. Donc, une journée typique, je dirais, d'habitude, de shooting, il n'y a pas plus qu'une couple d'heures ou bien, dépendant de l'événement, des fois, il y a plusieurs heures de shooting. Mais ça commence toujours par un rendez-vous avec le client pour voir quels sont leurs besoins, leurs attentes, est-ce que je peux réaliser ce qu'ils veulent, est-ce qu'on est un bon match pour pouvoir travailler ensemble. Et puis une fois que ça c'est établi, donc c'est ça, la journée même. D'habitude c'est pas très tôt le matin, en fait. J'ai jamais eu de travail très tôt le matin, mais plus le soir ou l'après-midi. D'habitude, c'est environ 1 heure ou 2 heures de shooting maximum. Après ça, c'est plusieurs heures de travail à la maison pour regarder chaque photo, en éliminer plusieurs, peut-être 20%, je dirais, sont effacés complètement, et je sélectionne les meilleurs et je les travaille un tout petit peu. Et si tu peux nous parler, il y a une question, ça elle me vient dans l'esprit, c'est que il y a beaucoup de gens en utilisant l'appareil photo, ils le mettent sur le mode automatique. Mm-hmm. Et des fois, ils sont négativement surpris par le résultat. La photo, elle est trop blanche, il y a comme un brouillard. Et je sais qu'au niveau des photographes professionnels, c'est pas le cas de l'automatique, c'est ce qu'ils appellent le white balance, la balance des blancs. Si tu peux nous parler un peu de la différence entre utiliser un appareil mode automatique et utiliser un appareil mode manuel, en fait, mode manuel en faisant la balance des blancs. Oui, bien, si tu l'utilises manuellement, il faut vraiment connaître, pouvoir percevoir la lumière et puis tout l'environnement pour pouvoir soi-même ajuster l'appareil. Et si c'est automatique, bon, c'est justement la caméra qui fait le travail pour toi, mais comme tu dis, des fois c'est pas, des fois c'est très flou, ou bien ça l'ajuste pas correctement ou à nos attentes. Donc c'est ça, il faut vraiment connaître son appareil. Exactement. Ouais. Ça c'est le point. Les gens qui veulent se lancer, on va dire, parce que l'émission aussi c'est pour vulgariser, on va dire, la photo, vulgariser la poésie avec les invités que j'ai déjà invités, c'est que au niveau de d'utiliser l'appareil manuel, chaque appareil est spécifique. On va dire la marque Canon, elle est spécifique. Nikon elle est, je pense que c'est les deux meilleurs, la Nikon avec un peu Sony, mais ceux qui sont vraiment au niveau professionnel, tu vas trouver les Nikon et Canon. Mm-hmm. Et chaque appareil, modèle, on va dire, aussi c'est spécifique. Il faut vraiment, comme tu dis, bien connaître l'appareil et bien connaître ses fonctionnalités. Qu'est-ce que tu peux dire de ça? Oui, ça prend, je dirais, plusieurs mois pour vraiment bien la connaître et sous plusieurs lumières, environnements et tout ça. Parce que même moi, comme j'ai déjà fait... dernièrement, j'avais fait quelque chose plus la nuit et puis
c'est vraiment très différent. Il faut. C'est, oui. On prend une chance. Oui, c'est ça, on est comme oups. OK, parfait. On passe à une chanson. En fait, la chanteuse, vous allez découvrir, ou sinon, je vais dire son nom après. C'est une des chanteuses que qu'aime, donc, mon invité, Elisabeth Hanel-Foto. Je vous laisse écouter cette belle chanson et on revient, chers auditrices et auditeurs. Un peu, hein, si vous avez envie. Je vous force pas. Et puis donc de retour, chers auditrices et auditeurs, donc à votre émission Culture et Culture Seulement sur Radio Centre-Ville à Montréal, 102,3 FM, radiocentreville.com, ainsi que sur la page Facebook de l'émission Radio Centre-Ville, Qism al-Arabi, ça me revient. Et puis vous étiez à l'écoute donc de Souad Massi avec cette très belle chanson, donc Tolit al-Bir. Et puis l'autre question éventuellement à mon invité, donc aujourd'hui j'ai deux invités, c'est Madame Hanan, Elisabeth Hanel-Foto, et Monsieur Hicham Mu'tadid, qui est écrivain, Madame Elisabeth est photographe. L'autre question éventuellement, c'est si tu prévois par exemple, on va dire demain ou un jour, tu prévois sortir dehors, faire des photoshootings de la nature, on va dire. Si tu peux nous parler des facteurs externes, c'est-à-dire les aléas de la nature, éventuellement un facteur externe. C'est Hicham qui a parlé de facteurs externes off mic. Si tu peux nous parler de ces deux facteurs qui peuvent influencer donc les photos et la prise de photos. Oui, bien, c'est sûr et certain, le climat.
c'est un gros facteur. Je pense que c'est très important de pouvoir s'adapter à ça. Comme il faut s'adapter si on n'a pas le choix de reporter la journée. Donc, si on veut absolument une journée ensoleillée, je vais reporter la journée si c'est possible. Mais sinon, on peut faire des très belles choses dans la pluie ou dans des autres conditions aussi. Si c'est juste pour la nature, des fois je me lance quand même, et puis même s'il pleut ou c'est pas super, ça donne un autre style de photo. Il faut pas toujours que ça soit ensoleillé, c'est la nature. En ce qui concerne les photoshoots avec des clients, je leur donnerai le choix de changer la date ou bien d'aller à un autre endroit comme intérieur par exemple. Pour faire un shooting. Mais en parlant des clients, par exemple, est-ce que dans le process de sélectionner les photos, est-ce que tu impliques tes clients, tu leur dis « Ah, voici les photos » ou c'est toi qui décides quelles seraient les photos, par exemple une soirée de mariage ou quelque chose? Est-ce que tu impliques tes clients, tu leur dis « Ah, vous pouvez choisir » ou comment ça se passe? Oui et non, comme je pense que... Comme par exemple un mariage, j'ai fait un mariage à date et j'en ai un qui s'en vient. La mariée, elle m'avait demandé d'avoir les originaux et d'avoir ceux que moi j'avais travaillé et sélectionné. Donc je lui ai fait un album photo mariage et comme elle avait demandé, je lui ai donné tous les originaux. C'est quand même ses photos, donc ça s'était arrangé entre nous avant. D'autres cas, ça serait moi personnellement, je donnerais que les photos que j'ai travaillées parce que c'est un peu un œuvre d'art quand on travaille chaque photo. Okay. Mais oui, ça dépend du client en fait. Normalement, je donnerais juste ceux que j'ai choisi. Ceux que tu as sélectionné toi. Oui. OK, parfait. Oui. Parfait, puis tu réponds à ma question, comme on dit en bon québécois. On passe à la prochaine chanson, prochaine tune. Un de mes choix, au fait, il y a des choix de mes invités, donc Elisabeth et Hicham. On passe à cette prochaine tune. Et on va donc au retour, je vais m'entretenir avec Si Moulay Hicham Mahtadid sur ce que c'était quelqu'un de très talentueux, prolifique, comme j'ai mentionné, qui a publié à date 4 ou 5 livres, je pense, c'est Hicham, c'est 5 livres? 5 livres. 5 livres, c'est parfait. Donc on écoute cette tune et on revient, chers auditrices et auditeurs. Et
Et puis de retour, chers auditrices, auditeurs, donc à votre émission Culture, Culture seulement. Et puis, donc, je suis donc en compagnie de Simoulay Hicham Matadid, qui est un écrivain, comme j'ai dit, et puis il a écrit à date les ouvrages suivants. Donc, La voix diplomatique de Hassan II, 36 discours pour agir, les performances lexicales de la diplomatie Djetou, et puis le guide diplomatique du Maghreb, ainsi que la pensée l'évêque à travers l'analyse méthodologique ou méthodique de ses discours politiques. Et puis aujourd'hui, en fait, on va parler de son très récent livre, ouvrage, La police des Nations Unies dans la gestion des crises, missions et défis. Puis bon matin, c'est Hicham. Merci beaucoup, je vous remercie pour l'invitation. C'est un plaisir d'être parmi vous et de partager avec vous ce moment. Merci beaucoup. Puis juste si tu peux nous parler justement du contenu de ton dernier ouvrage, La police des Nations Unies dans la gestion des crises, missions et défis. Ok, donc c'est un ouvrage qui a été édité en Allemagne, par une maison d'édition européenne. Pourquoi en Allemagne? Parce que quand même c'est là où il y a un manque sur ce sujet-là, parce que quand même il y a pas mal, c'est-à-dire quand même un peu d'ouvrages qui traitent de la police des Nations Unies. Quand même c'est un sujet qui n'est pas traité suffisamment, mais en français c'est encore rare. Et je pense qu'il y a beaucoup plus de personnes qui seront intéressées vraiment à le lire en français, aussi parce qu'il y a beaucoup plus de communautés francophones en Europe qu'en Amérique du Nord. Mais comme il est dit, édité aussi, c'est-à-dire il y a une version ici, imprimée ici au Québec, au Canada. Et c'est un ouvrage qui traite de la police des Nations Unies à travers sa nature, son organisation, ses défis, ses missions. En fait, j'ai divisé le livre en quatre chapitres. Le premier chapitre porte sur la nature, l'histoire de la police des Nations Unies. Le deuxième chapitre porte plus sur l'organisation de cet appareil policier. Et la troisième partie porte plus sur ce qu'on appelle sur sa mission sur le terrain. Et le quatrième chapitre, il porte sur ses défis à relever, en fait. C'est en grosso modo ça, les quatre axes de mon ouvrage, en fait. Ok, parfait, parfait. Puis juste, je rappelle à aux auditeurs, en fait, de cette émission, que donc Simoulay Hicham Matadid est un politologue, chercheur en études politiques publiques et internationales. Il est doctorant en études du religieux contemporain à l'Université de Sherbrooke, lauréat de l'École nationale d'administration publique du Canada, de l'École de politique appliquée au Québec et de la Faculté des sciences juridiques de l'Université Mohamed V au Maroc. Il est, comme je l'ai mentionné, auteur de plusieurs ouvrages, au fait, au niveau de la bio de mes deux invités. Comme d'habitude, lorsque je vais donc faire un montage vidéo de l'émission, je vais mettre au début, donc, cette émission, donc, la bio détaillé de mes invités. L'autre question, en fait, c'est Moulay Hicham. Tu parles, ou j'ai lu un peu le résumé de ton ouvrage « La police des Nations Unies dans la gestion des crises, missions et défis » et tu dis « Devant la complexité de l'ordre mondial et la multiplication des conflits, la police des Nations Unies assure différentes missions, etc. » Si tu peux nous parler justement de cet ordre mondial actuellement, parce que on entendait parler dans les années 80-90 d'un ordre mondial et aujourd'hui aussi on parle d'un ordre. Il va vers où cet ordre mondial éventuellement d'après toi? Ben, c'est très difficile quand même de répondre à votre question dans le cadre d'une émission comme ça en bref, mais je pense que quand même c'est un monde qui évolue vers ce qu'on appelle la pluralité au niveau de la décision, de la prise de décision, ce qui va engendrer en quelque sorte une certaine concurrence entre plusieurs pôles dans les années à venir, ce qui n'est pas vraiment bien pour l'équilibre de la gestion mondiale, parce qu'on risque quand même de tomber dans ce qu'on appelle des zones de conflit entre les grandes forces qui essaient vraiment d'avoir des zones d'influence un peu partout. Mais j'espère en fait que la sagesse soit là, à la hauteur entre les décideurs de cette planète pour qu'ils puissent vraiment privilégier ce qu'on appelle la coexistence et le bien vivre ensemble que vraiment les intérêts économiques et ce qu'on appelle la conquête des zones d'influence. Il y a les États-Unis, le pôle sous le parapluie des Américains d'un côté, il y a celui de l'Asie aussi qui essaye de d'émerger en quelque sorte, il y a ce qu'on appelle aussi les pays émergents comme le Brésil et d'autres. Donc où va ce qu'on appelle
l'ordre mondial contemporain, je pense que vers ce qu'on appelle plusieurs pôles qui vont essayer d'avoir et d'influencer et de conquérir ce qu'on appelle des zones d'influence. Parfait. Et puis, tu mentionnes la polarisation et on le sait, dans les années, on va dire, lors de la guerre froide et des années 80, même 90, on sait qu'il y avait comme deux pôles dans le monde. C'était le pôle de l'ex-URSS et le pôle des États-Unis, l'USA. Mais on sait que l'URSS n'existe plus. Maintenant, c'est la Russie. Mm-hmm. Mais la Russie, d'après ce qu'on voit avec Poutine, ce qu'il fait et tout, ils sont en train de revenir au devant de la scène mondiale politique et tout. Mais avec ce qui s'est passé donc récemment, l'élection de Donald Trump aux États-Unis, on voit que bon, il l'a annoncé, c'est pas une surprise. Il a dit moi, je vais me retirer de beaucoup de choses, même de l'OTAN, même au niveau de beaucoup de traités. Je pense, en tout cas, je suis pas politologue, mais qu'est-ce que vous pensez du fait que maintenant, et c'est ouvert, c'est la politique de Trump qu'il va se retirer et que on voit l'URSS qui devient plus forte avec un Poutine fort. Là. Poutine, c'est le président, c'est pas la Poutine québécoise. Mais et comme vous l'avez mentionné, l'émergence de la Chine aussi au niveau économique. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que il y a pas ce qu'on appelle une certaine prise de force ou de position plus forte de la Russie, mais ce qu'on appelle un repli des Américains en quelque sorte. Il y a aussi à côté ce qu'on appelle l'émergence de la Chine. Et ce qui donne ce qu'on appelle un terrain de plus en plus vite pour la Russie de conquérir surtout au niveau du Proche et Moyen-Orient. On a vu comment la Russie vraiment s'est affirmée dans la guerre de la Syrie dernièrement et qu'il laisse pas vraiment et il tolère pas la présence vraiment des Américains sur ce champ, son champ en fait base arrière géostratégiquement parlant. Et là, cédé au niveau de la Libye en quelque sorte, mais il voulait pas vraiment tomber dans les mêmes erreurs, c'est-à-dire au niveau de la Syrie. Moi, ce que je pense, c'est qu'il y a pas ce qu'on appelle une montée de la Russie, mais il y a ce qu'on appelle un recul en quelque sorte des Américains et ce qu'on appelle une émergence de la Chine. C'est ma lecture des choses. Ok, parfait. Parfait. En revenant à l'ONU, donc je vais poser juste cette question et je vais diffuser une des demandes spéciales donc de mon invité, c'est Hicham Machadet. En revenant à l'ONU, et on dit que maintenant, l'ONU est devenue à la merci de certains pays puissants occidentaux qui, en arrière, il finance cette ONU. Donc, je sais pas ce que vous pensez de cette affirmation. Moi, je le dis et j'en suis convaincu que dans n'importe quelle organisation, que ce soit gouvernementale ou non gouvernementale, toujours ceux qui payent le plus, c'est ceux qui influencent le plus. On peut pas payer sans vraiment avoir l'intention d'influencer. Sinon, ça serait bête. C'est vrai. Et vous me rappelez, excusez-moi, une petite parenthèse. C'est même dans nos familles, on va dire en Algérie, au Maroc, dans la famille ou la grande famille, là, lorsqu'ils se rencontrent, celui qui a le plus d'argent, c'est lui qui va influencer la discussion. C'est lui qui va décider ou qui va chercher vraiment à influencer et c'est lui qui va être respecté en quelque sorte. Qu'on le veuille ou pas, c'est la nature en fait de la logique, de l'existence et d'un travail, ce qu'on appelle organisationnel. Donc, que ce soit aujourd'hui ou depuis sa création, c'est toujours les plus puissants. C'est-à-dire, au niveau du financement, c'est ceux qui décident et c'est ceux qui influencent la décision. C'est normal, en quelque sorte, que ce soit au niveau international et même au niveau des organisations internationales, même au niveau de la Ligue arabe, c'est-à-dire les pays qui payent le plus, c'est ceux qui décident et qui influencent la décision. C'est-à-dire, c'est naturel un peu partout, en fait, en quelque sorte.
Et puis, donc, de retour, chers auditrices et auditeurs, donc, à votre émission Culture à Culture seulement. C'était la première demande spéciale de mon invité, c'est Moulay. Je vous remercie. Bienvenue, Moulay Hicham Atadeed. Et puis, on continue, donc, l'échange. Et puis, si tu peux nous parler justement, Moulay Hicham, de ton expérience pour écrire donc ton dernier livre, La police des Nations Unies dans la gestion des crises, missions et défis. L'expérience, je veux dire par là, la part de la recherche versus celle de la éventuellement fiction, quelque chose comme ça. En fait, ce qui est spécial, c'est que j'ai commencé la recherche ici, à Montréal, mais je l'ai écrit à Vancouver pendant 3 ans. Je l'ai édité en Allemagne. Donc, il y a tout un processus qui a été vécu derrière, c'est-à-dire avant l'édition. Mais ça a commencé dans ce qu'on appelle dans le département des sciences politiques de l'École de politique appliquée avec l'un des grands professeurs que je salue à travers les ondes de la radio. Il s'appelle Rémi Landré, quelqu'un qui a servi le Canada dans le corps armé pendant plusieurs années et qui a participé à des opérations de maintien de la paix. Et quelqu'un qui est très engagé pour des raisons humanitaires, pour des causes humanitaires à travers le monde et qui m'a encadré, qui a été... C'est vrai que je l'ai senti en quelque sorte très présent au niveau de ses orientations, mais et vraiment il était très collaborateur parce que lorsque j'ai déménagé à Vancouver où j'ai habité pendant 3 ans ou 4 ans, il était quand même là. Lorsque je l'appelle, je lui écris des courriels, il me répondait et c'est lui qui était présent pour m'encadrer. C'est un champ de ma spécialité au niveau de la maîtrise, parce que comme l'une des maîtrises portait sur la politique internationale, c'est à ce niveau-là où j'ai travaillé sur les questions sécuritaires au niveau international. Ok, parfait. Parfait. J'imagine, comme vous venez de le mentionner, c'est que les gens, comme on a dit, on a parlé off mic, comme on dit, hors d'onde, c'est que les gens voient quelqu'un qui publie, on va dire, il publie un roman, il publie une histoire, il publie un livre. Ah, c'est parfait. Ça, c'est le résultat. C'est le livre. Et je pense, je suis dans l'écriture moi aussi. Les gens oublient que pour publier un livre, 100 pages, 150, 200 pages, des fois, ça prend des années de recherche, d'écriture et des sacrifices. Les gens se déconnectent de Facebook, des réseaux sociaux, comme une habitude. Qu'est-ce que vous pensez pour Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous parce que quand même on se prive de pas mal de choses pendant longtemps pour qu'on puisse produire une œuvre, que ce soit dans l'art de la culture ou dans, comme ma collègue à côté de moi, Isabelle, qui est dans l'art et la photo. Mais quand même, ça demande beaucoup de, on se prive de beaucoup de temps pour l'investir ailleurs, pour qu'on puisse vraiment écrire ou éditer quelque chose. Et je vous cache pas que c'était pour moi difficile vers la fin vraiment de l'écriture, parce que à un certain moment, à plusieurs reprises en fait, j'ai pensé à abandonner le projet, mais ce n'est qu'à la... heureusement que mes parents m'ont rendu visite l'été où je voulais abandonner et c'est eux qui m'ont encouragé pour vraiment terminer le livre. Okay. Mais le professeur aussi était là, qui m'a accompagné depuis le début. Parfait, parfait. Et ça me rappelle au fait... ça me rappelle le fait que j'ai invité à cette émission une autre émission qui s'appelle La couleur des mots, des écrivains aussi qui disent que des fois ils ont cet engouement d'écrire, puis ils prennent, on va dire, ils disent chaque jour je prends une discipline, une heure, ils vont dans un café ou ils vont dans un endroit, puis c'est leur discipline, une heure d'écriture. Et puis à un certain moment, ils arrêtent. Il n'y a plus cet engouement. Oui. Et ils disent des fois, ça prend, on va dire, quelques mois, des fois une, deux années, et puis il va revenir et il termine le livre ou le roman et il le publie. Il le publie, oui. Mais pour moi, c'était vraiment l'un des meilleurs accompagnateurs au niveau de mon expérience de ce qu'on a, l'écriture en général, au niveau de mon expérience d'immigration, parce que lorsque j'ai émigré du Maroc à Montréal, j'ai commencé par l'écriture. Et lorsque j'ai vécu aussi la deuxième immigration de l'Est à l'Ouest, c'est l'écriture qui était là présente tout au long de mon processus d'immigration, en quelque sorte. Sous-titrage Société Radio-Canada.
Et puis, vous étiez à l'écoute dans de la chanteuse talentueuse marocaine Oum. C'était une autre demande spéciale donc, de mon invité Simoulay Hicham Mu'tadid. Et puis, c'est ça, j'allais te dire à qui tu dédies éventuellement, si tu veux, cette chanson. Ben, je la dédie vraiment à tous ceux qui souhaitent que la paix règne sur la planète et à ceux aussi qui aiment que non seulement la paix, mais l'amour aussi règne sur cette planète. Ok, planète. Mm-hmm. Parfait, merci. Donc, je switch parce que je suis avec deux invités aujourd'hui. Je switch avec la photographe Elisabeth Hanan Photo. Et puis, l'autre question, qu'est-ce que j'allais dire? C'est ça, l'autre question, c'est le challenge éventuellement, donc Elisabeth, que tu prends, on t'invite à un événement et tu prends des photos, ça occupe de l'espace mémoire, comme on dit, et j'imagine tu le transfères à un ordinateur. Et l'ordinateur, c'est limité au niveau de 2 gigs ou 3 ou 4 gigs. 4 gigs aussi, c'est limité si on met régulièrement des photos. Comment tu gères ce défi-là, ce challenge? Entre, par exemple, je sais pas, là, tu gardes peut-être les meilleurs, tu supprimes, ou toi, tu es du genre à tout laisser. Comment tu gères ça, au niveau de l'espace mémoire de ton disque, éventuellement? Bien, comme j'avais dit avant, ceux que, lors d'un shooting, il y a environ 20% que je supprime immédiatement. C'est détruit, c'est terminé. Il n'y en a plus. Pouf, c'est parti. Après ça, en fait, je mets sur mon ordinateur, mais j'ai aussi un hard drive où je transfère tous les originaux. Donc, j'ai sur l'ordinateur et dans le hard drive. Et puis, ouais, voilà, après que ça soit livré au client, par exemple, je garde juste sur le hard drive. OK. And ouais. the next question, I'm going to ask it in English. Sure. What was the question? You know, I'm trying to remember. I'm ready. The question. Anyways. La question ne vient pas, donc j'ai oublié éventuellement la question, mais c'est ça, c'est au niveau éventuellement les gens qui veulent te contacter pour avoir tes services de photographe, éventuellement tu as une page Facebook. Oui, j'ai une page Facebook, donc juste rechercher Elisabeth Hanan, H-A-N-A-N-E, photo. Et donc, je crois que je suis la seule qui est là. OK. C'est une page Facebook et puis j'ai un site internet en construction. OK, parfait. Parfait. Je vous laisse écouter un peu la prochaine tune et on revient, chers auditrices et auditeurs. Thank you.
Et puis, de retour, chers auditrices et auditeurs. Au fait, de retour à votre émission, l'autre, la chanson de Doom, au fait, c'était la demande spéciale de mon invité Elisabeth Hanan Photo. Je m'excuse donc de la petite confusion. Puis, à qui tu l'as dédié éventuellement? Bien, je pense que Moulay Hicham, il a bien répondu pour moi. Donc, okay. Oui, à tous ceux qui veulent la paix dans ce monde. Okay, the other question when asking English, when you know, when I think when we do something by passion, we do lovely stuff, you know, we do lovely products, lovely images, lovely pictures. And what do you think of this thought? You know, I think when we love to do something, this love is transmitted to the product. What do you think of this? I agree 100%. I mean, I would hope that they're transmitted through my pictures. Like I said before, like, I'm doing this really because I love doing it. It's a passion. There's absolutely no pressure. I don't, this is not, I mean, I'm going with the flow and how I feel about it. So, you know, I'm doing it 100% with passion, and I think it's important that, and I think we all do have something inside of us that makes us feel good, and that we're passionate about, and it's important so that we can express that. Yeah, and I will continue doing it, whether I get paid or not. It's not, it has nothing to do with that. It's really something that I love to do, and it's my way of expressing myself artistically. OK, parfait. Mm-hmm. Parfait. Puis donc, je résume un peu la question. La question, en fait, quelqu'un qui fait quelque chose avec passion et qui aime faire quelque chose, je pense que ça se transmet dans le produit qu'il fait, quel que soit le produit. Quelqu'un qui fait un travail traditionnel, qui fait un travail artistique ou n'importe quoi, même il travaille dans une compagnie et il aime ce qu'il fait, moi je pense que cet amour va se transmettre au produit. Je vais y arriver. Et puis, éventuellement, je vais poser une autre question, mais à mon autre invité, Simoulay Hicham. On arrive presque à la fin de l'émission. Donc, l'autre question, Simoulay Hicham, comment est né, comme éventuellement on a parlé peut-être hors d'onde, comment est né pour Moulay Hicham Mouattadid l'idée éventuellement d'écrire un livre? C'est venu après ma première expérience d'immigration du Maroc vers le Québec, le Canada, ici à Montréal. Au début, quand même, j'ai pensé, parce que c'était quand même, c'est pas facile, comme on le sait, lorsqu'on change d'environnement, lorsqu'on change de culture, lorsqu'on change de contexte, c'est toujours au début, ce qu'on appelle un minimum de résistance avant vraiment d'aller vers de s'intégrer convenablement avec la société d'accueil. Au début, j'avais vraiment beaucoup de temps libre, et pour ne pas vraiment tomber ce qu'on appelle la dépression, pour ne pas tomber dans un vide de ne rien faire, surtout avec le climat au début hivernal. Dans la déprime, on va dire. Dans la déprime, en quelque sorte, c'est ça, dans la déprime. Donc j'avais quand même beaucoup de temps, et j'ai pensé à écrire, et je me suis dit, puisque c'est la politique qui m'intéressait, c'était vraiment mon domaine de spécialité au début. Je me suis dit que pourquoi pas, et aussi je m'intéressais à l'analyse des discours politiques, et je me suis dit, puisque j'ai maîtrisé l'outil d'analyse du discours politique, pourquoi pas ne pas commencer par une personnalité qui a marqué le Québec. Et c'est pour ça que j'ai choisi le premier ministre québécois, René Lévesque, à l'époque. Et je me suis dit que si j'arrive vraiment à analyser l'idéologie ou les discours de René Lévesque, ça va m'aider à comprendre un petit peu ce qu'on appelle le raisonnement de la société à travers la réflexion politique d'un homme qui a marqué l'histoire du Québec en quelque sorte. Et c'est à partir de là, en collaboration aussi avec un autre professeur, un très grand professeur qui s'appelle Denis Monnière, et qui a été vraiment l'un des grands spécialistes d'analyse du discours ici au Québec et au Canada, et qui a déjà fondé un parti politique pendant les années 70 ou 80. C'est lui qui m'a initié vraiment à la technique d'analyse des discours politiques, et c'est de là où ça a commencé vraiment l'amour de l'écriture et mon expérience avec l'écriture. Et je pense que c'est Hicham, vous êtes invité, je pense, à faire des fois des conférences, des interventions, peut-être à Dalmar.
parlé, puis j'ai vu passer, je pense, une invitation éventuellement que vous avez faite. Oui. C'était quoi le sujet? Ma première conférence à Dal Maghreb, au Centre culturel marocain Dal Maghreb, ça portait sur les législatives ou les élections législatives au Maroc, organisées cette année. Et je l'ai fait en collaboration avec plusieurs invités qui sont venus pour intervenir chacun dans sa spécialité. Sinon, généralement, j'interviens dans mon domaine de spécialité, que ce soit au niveau des relations internationales, sécurité internationale ou même radicalisation, sur quoi je travaille ces derniers temps. Ok. Donc, c'est ça. Si vous pouvez, ça enchaîne une autre question. Okay. Éventuellement, les projets futurs, éventuellement d'écriture. Tu peux nous divulguer des secrets, sinon c'est pas grave. Oui, bien sûr. Moi, en tout cas, ce que j'aimerais bien, je vais prendre un peu beaucoup plus de temps avant de produire le prochain livre, mais j'aimerais bien vraiment que ça porte ce qu'on appelle sur la radicalisation religieuse, notamment et surtout, c'est-à-dire qui viennent de ce qu'on appelle d'une certaine mauvaise interprétation de la religion musulmane ici en Occident. Et surtout, je vais essayer de travailler ce qu'on appelle sur cette notion qui ne fait pas consensus au niveau de sa définition, mais aussi, c'est-à-dire sur les facteurs, le contexte et le trajectoire des personnes qui se radicalisent, que ce soit en Europe ou en Amérique du Nord. Mais j'aimerais bien vraiment travailler sur le thème de la radicalisation en Occident entre facteurs, contexte et trajectoire. Ok, parfait. Et j'imagine, en parlant de radicalisation, c'est que ça touche pas juste au niveau de on va dire des gens immigrants ou de leurs enfants, ça pourrait toucher aussi des gens canadiens ou québécois de souche, ou des Américains de souche. L'autre question un peu indiscrète peut-être, c'est si tu peux nous parler à partir les quatre livres, c'est qui éventuellement qui est en train de bien marcher? Qui marche bien? On a la voix diplomatique de Hassan II, 36 discours pour agir, le guide diplomatique du Maghreb, puis la pensée l'évêque à travers l'analyse méthodique de ses discours politiques. Il y a d'abord celui qui marche le plus au Québec, c'est la pensée l'évêque à travers l'analyse méthodique de ses discours politiques, dont même certains députés m'ont contacté pour qu'ils puissent le procurer, parce que quand même ça traite de près ou de loin la pensée et le discours de René Lévesque, et comme vous le savez, c'est l'une des personnalités qui a marqué l'histoire du Québec. La voie diplomatique de Hassan II aussi, c'est l'un des livres qui intéresse, mais plus ce qu'on appelle soit la diaspora ici, ou bien ce qu'on appelle les hommes politiques au Maroc. Le guide diplomatique du Maghreb, c'est plus au niveau des institutions, des organismes qui travaillent sur la diplomatie. Mais celui qui n'a pas trop marché, c'est celui qui porte sur ce qu'on appelle les 36 discours pour agir, les performances lexicales de la diplomatie, je trouve. Et c'était d'ailleurs le premier. Ok, parfait. Juste donc avant de conclure éventuellement, on arrive presque à la fin de l'émission. Si tu peux, les gens qui veulent se procurer un de tes livres, de te contacter sur ta page Facebook. Ils peuvent me contacter sur ma page Facebook comme ils peuvent. Moulay Hicham Mohtadi. Oui, Moulay Hicham Mohtadi. Juste à taper mon nom de famille, mon prénom, et ils peuvent facilement me trouver ou me repérer sur Facebook. Sinon, ils peuvent directement taper l'un des titres sur Google et ils peuvent se le procurer en ligne ou même dans les librairies en fait ici. Parfait. Puis un dernier mot éventuellement à mon autre invité, la photographe Elisabeth Hanan Photo. Un dernier mot avant de clore cette émission. Oui, mais si vous cherchez une photographe, en fait, contactez-moi sur ma page Facebook aussi, envoyez-moi un message. Parfait. Un dernier mot, c'est Moulay Hicham. Je vous remercie beaucoup. C'était vraiment très riche et très fructueux l'émission aujourd'hui. Et aussi, j'ai eu le plaisir de la partager avec vous. Et aussi, en la présence de notre grande photographe, Hanan Elisabeth, et que je réfère à tout le monde qui nous écoute, qui s'ils veulent vraiment faire ce qu'on appelle de la photographie pour leurs événements ou pour leurs cérémonies. Ah, merci beaucoup. je vous remercie beaucoup, chers auditrices et auditeurs, d'avoir suivi cette émission. À l'animation, régie et production, votre serviteur Hakim. Je vous donne rendez-vous à la prochaine semaine, Inch'Allah, et je vous dis à la prochaine. Salut, merci. ضايق قمور
يزيد بالجرح حدامي في غراب هذا الدامي غير ملكت عقلي بجمالها وغلقت عنوان بالمرح ما أرحمي يا راح لعقل ترحامي من شفاك طال سقامي كيف نبقى حياة وانتي مثلي روفي الغزال فاطمة فاطمة صدمي يلي داويتي جسمي عمري بالعز وحكمي